C'est normal d'être piégé. Mais ce n'est pas normal de tomber à la tentation. C'est pour cela, Jésus, dans Matthieu 6, verset 13, Jésus dira à ses disciples, Jésus dira à ses apôtres, Jésus dira à ses serviteurs, pendant que vous priez, vous devrez parler comme ça à l'Éternel Dieu, votre Père, délivre-nous du malin. Mais qui est le malin? Bien aimé, le malin, c'est le diable Satan, l'archange Lucifer, l'archange déchu. C'est lui qui est le malin. Le diable, c'est le malin. Le diable, c'est le menteur. Le diable, c'est l'aventurier. Le diable, c'est le séducteur. Le diable sait très bien. Pour lui, le pardon n'existe pas. Le diable sait très bien. Pour lui, le royaume des cieux, la porte du paradis est fermée pour toujours. C'est pour cela, le diable est tellement conscient. Il va passer toute sa vie en enfer. Et le diable n'a pas besoin d'aller brûler seul en enfer. C'est pour cela que le diable utilise la tentation afin que les enfants de Dieu tombent dans le péché. Parce que Romains chapitre 3, verset 23, Romains 3, 23, la parole de Dieu nous dit ceci: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Dieu ne supporte pas le péché. Dieu ne tolère pas le péché. Dieu ne peut jamais comprendre le péché. Dieu ne peut jamais caresser le péché. Dieu est contre le péché. Mais Dieu a besoin que le pécheur accepte Jésus. Dieu a besoin que le pécheur abandonne la vie du péché. Oui, ma sœur Emmanuela Débara. Écoutez-moi bien, mon frère, un secret. Lorsque tu remarques, tu traverses des moments de séparation. Lorsque tu remarques, tu traverses des moments compliqués. Tu es persécuté par les autres. Tu es haï par les autres. Tu es tourmenté par les autres. Bien aimé, ne faut pas pleurer. Au contraire, commencez à adorer Jésus de Nazareth. Amen. Parce que la tentation du diable devant un enfant de Dieu, c'est un signe qui montre que l'enfant de Dieu là a une bonne communion avec son Dieu. Alléluia. Oui, c'est la vérité. La tentation n'est pas un péché, mais la tentation, ça devient un péché lorsque la tentation est consommée. Lorsque la tentation est appliquée. Oui, bien, c'est la vérité. Jésus-Christ est terre.